derniers temps. Je pense que le système y est pour beaucoup. On a fait le choix de partir en 3-4-3 et finalement ça n'a pas été un bon choix. On a rectifié en deuxième mi-temps. Je pense que la première elle est pour eux et la deuxième elle est pour nous. Donc c'est un bon match nul quand même. On se crée beaucoup de situations, on se crée des occasions, on rate un pénalty. On a beaucoup de coups de pied arrêtés, mais eux aussi. Donc finalement, je le répète, le match nul est un bon résultat pour nous face à une très belle équipe d'Erstein. Donc on reste quand même satisfait du point pris. Une très belle équipe de Rouen déjà, donc voilà, c'était un beau match de haut de tableau, le premier contre le deuxième. Je pense que sur l'ensemble du match, le match nul est équitable, même si aujourd'hui on a été un peu en difficulté dans l'utilisation du ballon. Il est venu à 4-3-4-3 en début de match, donc on s'est très bien adapté, on marque juste avant la mi-temps. En deuxième mi-temps, on a des situations où on doit mieux faire. Et puis ils égalisent logiquement en deuxième mi-temps sur un coup de pied arrêté. Je pense que c'est logique. Ouais, c'est logique. Rouen est une belle équipe, donc ils vont poser beaucoup de problèmes dans notre groupe. Donc voilà, à nous maintenant de faire en sorte de continuer à aborder les matchs avec un peu plus de sérénité. J'ai trouvé un peu mes garçons nerveux aujourd'hui. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on progresse encore dans l'utilisation du ballon, dans ce qu'on veut faire, dans le principe de jeu. Et la semaine prochaine contre Saint-Dié, notre Vosgien, un gros match en perspective, quoi.